Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter mes couleurs de chez Madame Gla. Donc on commence avec Back to Cali. Back to Cali c'est un joli nude avec des sous-tons mauve qui est relativement quand même discret, qui s'applique très bien, qui plaît beaucoup parce que il va à toutes les carnations. Ensuite j'en ai un qui s'appelle Love Me Nude. Donc ça, si on en entend le nom, c'est censé être un nude par excellence. Mais je le trouve beaucoup moins nude que Back to Cali. Et celui-là, il a clairement plus de sous-tons orangé et brun que Back to Cali. Ensuite, on a Dark Side. Dark Side, c'est le rouge cerise. Rouge vampire cerise par excellence. C'est un rouge quand vous allez l'appliquer, et on le voit même sur le petit capuchon de présentation. Quand vous allez l'appliquer, il va avoir des reliefs un peu de couleur comme ça. C'est pas une couleur parfaitement uniforme. Voilà, il y a des reliefs dedans. Et c'est un rouge foncé. Ensuite, on a Taste of Iron, qui est un gris vert. Mais je le mettrais quand même plutôt dans la catégorie des gris. J'adore ce type de couleur un peu pas bien descriptible. On sent qu'il y a vraiment un mélange de plein de couleurs dedans. Donc Taste of Iron, un gris vert. Ensuite on a Chit Chat. Et ça c'est pareil, c'est aussi le genre de couleur qu'on n'arrive pas vraiment, j'arrive pas vraiment à définir dans quelle catégorie de couleur le mettre. Parce que limite on pourrait autant le mettre dans la catégorie des violets que dans les bleus. Donc du coup Chit Chat, on va dire que c'est un bleu violet, plutôt foncé. Et voilà, c'est une très jolie couleur qui s'applique très bien en deux couches. Ensuite, j'ai trois couleurs pailletées à vous présenter. Donc, on va commencer par la plus classique et celle qu'on est obligé d'avoir dans ces tiroirs parce que ça sert tellement, c'est une couleur pailletée tellement polyvalente que il faut avoir une couleur comme ça dans ces tiroirs. Dans celui-là, on a quand même des sous-tons un petit peu bleus à l'intérieur et c'est vraiment une couleur qui est nickel toute seule. Ou bien à rajouter sur une autre couleur pour faire un petit dégradé ou juste comme ça par-dessus une autre couleur pour lui donner un truc en plus. Et la couleur s'appelle Top It Swaggy. Donc ça, vraiment un indispensable. Ensuite, on passe à Don't Tell My Husband. Et ça, c'est le même délire. C'est le même genre de couleur, on va dire. On va en avoir à peu près la même utilisation, sauf qu'on est sur des paillettes dorées. Et un sous-ton qui est plus rouge. Donc pareil, c'est une très jolie couleur. Il s'applique super bien. Et en dernier, on a Green Verdict. Et alors là, je le mets carrément dans une catégorie à part. C'est un vernis pailleté, mais il est presque métallique en fait. Et il fait pas partie de la catégorie des vernis métalliques de chez Madame Glam. Mais il a un fini qui est quand même particulier. Et donc là, sans hésitation, c'est du vert quoi. Le seul moyen pour l'instant que j'ai trouvé pour utiliser cette couleur, c'est de la combiner avec du noir. Mais honnêtement, si vous avez d'autres idées, je suis vraiment preneuse. Je vous écoute, balancez-moi tout ça en barre d'informations. De manière générale, Madame Glam, c'est une très bonne marque. Elle est largement connue aux États-Unis et un peu partout. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de l'appliquer en très fine couche. Quitte à en mettre 3 pour les couleurs très claires comme Back to Cali, en fonction de comment vous appliquez. Mais je vous conseille quand même de l'appliquer en fine couche, sinon c'est sûr que vous aurez des problèmes de gel qui se rétracte, qui fait des petites bulles et qui vous détruit un peu votre résultat en fait. Sinon, de manière générale, c'est vraiment des vernis que je peux recommander, d'autant plus que sur le site, il y a souvent des promos. Donc il y a souvent des grosses promos, comme moins 40%, moins 50%, ou ne serait-ce que moins 30%. Normalement, vous arriverez toujours à trouver un code promo pour le site de Madame Glam. Donc ne commandez pas sans code promo. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo rapide sur mes petites couleurs de chez Madame Glam. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like comme d'habitude, à me dire dans les commentaires. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien !